Star, tu vas dans le nord, il y a des routes partout. Il y a des routes pour la Radisson, il y a des routes pour aller au barrage, puis en l'eau pour aller chez les Indiens. N'importe qui peut aller dans le nord sans trouble, comme si c'était fait pour les touristes. Il y a encore des travaux, mais c'est des petites affaires qui veulent plus grand-chose. Là, les gars qui veulent aller travailler là-bas, c'est pour les mines. Il paraît que c'est payant. Puis il paraît tout que les compagnies des mines y construisent des écoles, des parcs, puis même des gros crises d'IGA extra pour leurs employés. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cochonnerie quand les mines vont être vides. Je suis arrivé à Bay James en 71. Le gouvernement venait juste d'annoncer son projet de fournir de l'électricité pour tout le Québec. Ça fait qu'il fallait une gang pour construire des barrages puis d'autres affaires. C'est sûr que c'était loin puis il faisait fret en crise, mais on était bien payé. Puis en plus, il n'y avait pas de police, pas de banque, pas de politique, pas de cravate non plus. Ça fait que c'était nous autres qui s'occupaient de nos affaires puis le monde de Montréal peut bien aller se crasser s'il n'était pas content. Il y en avait en crise de l'argent. On en a quand même redemandé en disant qu'il n'y en avait pas assez pour construire le ligne électrique. Puis pour une fois, c'est pas des crises d'Italiens ou bien des astis de banquiers qui ont tout ramassé le cash de tout pour se le mettre dans les poches. C'est nous autres. Esti qu'on a eu du fun. Les gros riches, ils payaient pour venir dans nos pourvoiries. On faisait rentrer du stock des autres pays par bateau, puis il n'y a pas personne qui peut nous faire chier. C'est sûr que de temps en temps, il y avait un centre du gouvernement qui venait faire son tour ou bien un gars des Saint-Zonis qui essaie de collecter. Mais c'était pas long que ces gars-là, ils comprenaient que quand tu venais dans le nord, t'attachais ta tuque avec la broche puis tu marchais le cul serré en tabarnak. Mais un beau moment donné, on a fini par finir de construire les calices de barrage. Ça fait que le gouvernement, il a arrêté de nous envoyer le milliard puis le monde a commencé à partir tranquillement pas vite. Là, il reste juste les Indiens puis 200-300 personnes à Radisson. Rien que pour dire, dans le temps, on était 10-15 000. Et pour être bien franc, même quand le monde a commencé à partir, je pensais encore qu'on allait toffer. C'est juste quand deux ticounes qui connaissaient rien pantoute, ils ont réussi à mettre la marde dans le nord que j'ai compris que c'était plus comme dans le temps.